émissions sont. Donc c'est beaucoup de métrologie, donc tout ce qui est mesure, instrumentation, mise en place de matériel. C'est aussi du suivi de chantier, suivi de forage surtout, et aussi tout ce qui est diagnostic de forage, forage d'eau. Moyen mise en œuvre, c'est surtout le passage d'une vidéo caméra à l'intérieur du forage. Donc ça fait un premier diagnostic visuel. Donc ça nous permet de voir l'état d'étubage, la profondeur du forage, s'il y a des soucis. Et la deuxième chose, c'est le passage de sondes où on fait des mesures en continu. Tout le long du forage, donc on fait des mesures de température, de conductivité, de radioactivité naturelle. Et tout cet ensemble de mesures nous permet de mieux recaler la géologie du site, les arrivées d'eau. Dans mon métier, j'aime bien donc la mobilité, faire des choses différentes dans la semaine, rencontrer du monde. Donc, ce que j'aime pas dans mon métier, c'est les clients pénibles, les conditions météo difficiles quand il pleut, ça je déteste. Moi j'ai commencé à travailler il y a longtemps, et surtout à une époque où on trouvait du travail facilement, et donc je suis rentré au BRGM par hasard. J'ai eu la chance de partir assez vite sur le terrain à Djibouti à l'étranger, et c'est là où j'ai commencé à apprendre mon travail de technicien, et depuis ben, j'ai pas quitté. Donc les freins que j'ai rencontrés sur mon parcours, c'est surtout au niveau de la formation et des diplômes. Ça m'a bien freiné, donc moi il a fallu que je fasse autrement. Donc apprendre mon métier d'une autre manière, mais il faut passer des diplômes. Alors, la première chose que je me dis le matin en partant au travail, c'est je vais où? Donc la dernière chose que je me dis en rentrant chez moi, c'est ça, c'est fait. Quelques conseils que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'aimer travailler en autonomie, en extérieur, d'accepter le mauvais temps et surtout d'être débrouillard. Alors mon métier à l'étranger, c'est possible. Il y a à peine un mois, j'étais à Marie-Galante faire des diagnostics de forage sur l'île, donc Marie-Galante au large de la Guadeloupe. Donc j'ai passé 10 jours à faire l'état des forages qui servent en alimentation d'eau potable de l'île. Si j'étais une goutte d'eau, je serais dans un lac de montagne très haut.